Mais que devient Jack? Mais que devient Jack? Croyez-vous qu'on le reverra avant qu'il claque? Abandonné là-haut, à son triste sort. Sans dire un seul mot. Peut-être qu'il est mort. Mais que devient Jack? Mais que devient Jack? Noël approche et j'en perds le nord. Pourrais-je y survivre? Je l'ignore. Il y a tellement de choses qui m'échappent quand je crois franchir l'ultime étape. Sous mes doigts squelettiques tout s'éclipse. C'est un cauchemar, c'est l'apocalypse. Plus j'essaie de comprendre et plus je me noie dans les méandres d'un souvenir disparu. Pas vu, pas pris, ni vu, ni connu. Je veux comprendre, je veux comprendre. Car derrière ce bric-à-brac se cache un secret démoniaque. Au jouet, vous voulez donc ma mort, mais malgré tout, je vous adore. Simples objets, peu m'importe, mais que dissimule une porte dont je ne possède pas la clé. Je veux percer ce secret, je veux comprendre, je veux comprendre. Je veux comprendre. J'ai beau étudier Noël dans les livres, j'ai beau m'en imprégner au point d'être ivre, apprendre les chants de Noël par cœur, mon crâne explose, à l'aide à moi je meurs. Mais où est la solution? Je n'en peux plus. Je ne suis qu'à deux doigts de mettre le doigt dessus. Le fin mot de l'histoire est-il plus près que je ne semblais le croire? Comme l'étoile qui brille le soir. J'étais trop près pour l'entrevoir. La réponse était devant moi, juste devant moi. C'est élémentaire, tout s'éclaire, la musique s'élève dans les airs. Après la nuit vient la lumière. Plus besoin d'errer dans le noir, il suffit d'un rien pour y croire. Il me suffisait d'y penser. Finalement, ce n'est pas sorcier. Pourquoi cette fête serait-elle la leur? Tout le monde a droit au bonheur. Non, sûrement pas tout le monde, moi seul. Je ferai de Noël mon linceul. Pourquoi ne serais-je pas capable de décorer moi-même un arbre et de faire encore mieux que ces fous? Ce sera l'enfer, un point, c'est tout. Eureka! Cette année, c'est nous qui allons célébrer Noël.